bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose l'ouverture d'un cadenas à disque sans marque avec des outils classiques. Donc là, je prends un entraîneur pour mettre tous les disques sur la droite en position maximum. Un petit entraîneur bricolé maison dans une tige d'essuie-glace un peu large pour entraîner sur le premier disque et un pic assez courbé sous torde. En la matière. Et donc on attaque les disques en partant du deuxième, bien sûr, puisque le premier sert d'entraîneur et est placé en position maximum. Et donc on crochète en fait classiquement. Alors on n'hésite pas à faire revenir de temps en temps l'entraîneur, puisque de toute façon il n'y a pas de ressort, donc ça gêne pas, on peut même relâcher complètement, ça bougera pas au niveau des disques. Et on essaye d'avoir des petites avancées à chaque descente de disque, jusqu'à ce qu'on ait une ouverture. Voilà. Donc vu les jeux qu'il y a dans ce type de cadenas, le crochetage n'est pas toujours le même, les réactions des disques non plus. Voilà, ouverture. Donc on va la refaire. Et vous verrez que le crochetage n'est pas du tout le même sur, en général, les réactions de l'entraîneur et les disques ne font pas les mêmes. Mais bon, il faut y aller doucement, appuyer les disques qui sont durs. Et si en relâchant l'entraîneur, on a un petit placement et une petite avancée, ben on est bon. Donc toujours, je commence par le deuxième. Troisième, quatrième. Donc il y a 7 disques sur celui-ci. Bon bah voilà, vous voyez là c'était beaucoup plus rapide. Pourquoi je ne sais pas. À bientôt.